l'histoire de l'école, mais en fait c'est une aventure qui nous a pris un peu il y a une dizaine d'années maintenant. Et ben voilà, c'est la demande, c'est le premier voyage au Bénin et on tombe sur des gens qui nous demandent des cours de musique et des cours de solfège, des cours d'instruments, instruments modernes, comme ils appellent ça, donc trompette, guitare, trombone. Et surtout c'était des familles, donc des gens qui voulaient que leur enfant apprenne la musique un peu comme chez nous. Donc c'est une demande qui nous a pas mal étonnés parce qu'on n'attendait pas en Afrique à avoir cette demande. Et puis on est revenu plusieurs fois au Bénin. Et petit à petit, ben voilà, donc le projet s'est monté, on a cherché des financements qu'on a trouvés, on a pu acheter des instruments de musique, on a pu structurer, construire les locaux. Et puis petit à petit, ben, donc les élèves se sont inscrits, il a fallu qu'on trouve des profs. Alors ça, les profs, ben, c'était le plus compliqué parce que évidemment il y a des musiciens au Bénin, mais on peut être musicien et ne pas savoir enseigner la musique. Et donc c'est évident qu'il faut, il a fallu trouver une équipe déjà qui comprenne le sens du projet et puis des musiciens donc, qui acceptent de se former et d'essayer de réfléchir sur ce que c'est que la pédagogie musicale et comment on enseigne la musique à un enfant. Essayez de me décrire ce que vous jouez. Vous trouvez cette partition, qu'est-ce que c'est? C'est pour quel instrument? Est-ce que c'est pour des chanteurs? Est-ce que c'est pour des instruments? Essayez de me dire le plus possible, analyser ce que vous avez pour moi. Après, nous, on avait envie de développer l'enseignement d'instruments qui peuvent se mélanger, donc avec lesquels on peut faire de l'orchestre. Donc on est parti sur les instruments avant, plutôt les cuivres, parce qu'il y a un problème de climat, donc il faut que les instruments résistent. Donc c'est vrai qu'on est parti sur des trompettes, des trombones, maintenant le saxophone, la clarinette, et puis c'était aussi des instruments qu'on peut jouer dehors, voilà, donc on n'a pas besoin de sono forcément, on n'a pas besoin d'amplifier, et le résultat est là tout de suite, quoi. Donc, et puis c'est vrai que nous, à Paris, ben, on a une belle classe aussi d'instruments avant, donc c'était plus facile aussi pour faire des échanges. Donc là, on est parti avec une troupe d'enfants, 11 enfants français, qui allaient rencontrer donc les enfants musiciens béninois, des enfants qui avaient travaillé avec les professeurs du Bénin. En même temps que cet échange, il y avait aussi une formation pour les professeurs, ceux qui s'occupent de la formation chorale, donc les chefs de chœur, et aussi les professeurs d'instruments. Et là, plus particulièrement, c'était un stage pour les professeurs de guitare. Donc les enfants, en fait, ont eu plusieurs formations. Ils ont eu une formation d'orchestre, ils ont en fait servi un peu de cobaye pour qu'on puisse faire travailler les chefs de chœur qui, eux, ont appris à diriger. Diriger un orchestre, il y a des normes, il y a des règles et on ne peut pas diriger n'importe comment, il y a des gestes. Les gestes sont extrêmement importants puisque pour faire démarrer, il y a des levées, des battues très différentes suivant les mouvements. Et ça, pour nous, c'était important que les chefs d'orchestre, en tout cas deux professeurs de guitare et quelques professeurs qui étaient là, puissent apprendre à diriger un orchestre, même avec des instruments différents. Les enfants, eux, étaient un peu des cobayes, mais en même temps, ils avaient... Par ce travail commun, ils ont appris à travailler ensemble. Donc on les a mis par petits groupes, donc des enfants français avec des enfants béninois. On leur a donné une mission. En 3 heures de temps, il fallait qu'ils apprennent un passage de partition, qu'ils apprennent à se respecter, apprendre à avoir le même langage musical. Et alors parallèlement, ils ont eu aussi une formation vocale. Vocale parce que là-bas, il y a beaucoup de chorales plutôt qui sont en général religieuses, et il n'y a pas beaucoup de chœurs d'enfants. De toute manière, au Bénin, il n'y a pas d'activité pour les enfants en dehors de l'école. Donc, de créer une chorale d'enfants, de créer un répertoire, là aussi, ça a été un échange extrêmement important de mettre en place ce genre de manifestation. On est parti sur de la musique du monde,
sur la musique dansée et sur la musique aussi béninoise. Et pour la musique béninoise qui n'est pas écrite, on a demandé aux professeurs d'instruments d'apprendre à retranscrire ce qu'eux ont l'habitude de chanter. Donc on leur a appris, par le solfège, la technique de l'écriture et de la lecture, à refaire un vrai travail de partition et de pouvoir aussi, au niveau d'un travail de partition, mettre en place pour les enfants. Du côté du répertoire chanté, pour cette formation-là, on avait pris donc une chef de chœur qui est très réputée au niveau de son travail pédagogique auprès des enfants, et donc une chanteuse qui, elle, a une classe vraiment de technique vocale. Elles ont choisi quelque chose pour avoir une voix plutôt uniforme, puisqu'elles ne connaissaient pas le niveau des enfants béninois, et donc de pouvoir faire une voix, deux voix, ce qu'on a à peu près réussi à faire, et de l'impliquer plutôt dans un conte final où on raconte une histoire et dans laquelle on va mettre du chant pour illustrer. Alors les enfants qui fréquentent cette école sont des enfants très proches du quartier, donc il y a un petit noyau qui habite vraiment dans le quartier. Et le quartier Saint-Michel, c'est un quartier relativement populaire, même s'il est au centre de Cotonou. Les gens qui habitent là ne sont pas des gens très très riches. Et c'est vrai que notre intérêt à nous, c'était d'avoir des enfants localement, parce que ces enfants, ils n'ont rien, hein, ils n'ont pas d'activité, et c'est facile pour eux, ils viennent à pied. Et comme l'école de musique commence à rayonner, on a aussi des enfants qui viennent maintenant d'autres quartiers de Cotonou. Et donc on essaie aussi d'accueillir des enfants d'un niveau, je dirais pas riche, mais d'un niveau plutôt moyen, enfin couche moyenne de la société, mais aussi des enfants qui n'ont pas les moyens de s'offrir des cours de musique. Et nous, on les accueille, on fait tout pour qu'ils puissent fréquenter l'école de musique. Et on fait un peu le travail qu'on fait à Paris, donc on fait de la mixité sociale en Afrique, donc à Cotonou. Ça m'intéressait de partager ce que je sais avec des gens qui ont envie d'apprendre quelque chose et de découvrir aussi un pays que je ne connaissais pas, le Bénin. Par rapport à la voix, il y a une idée du chant, en tout cas dans les choristes que j'ai rencontrés, qui était différente. Et ça m'a intéressé de leur montrer notre manière à nous de chanter, quoi, notre manière de faire. C'est peut-être une manière où ça demande une mobilisation différente, disons, du corps et de la pensée pour chanter. Ça m'intéressait de partager ça avec eux. Je les ai trouvés super sympas, super ouverts et extrêmement plastiques. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de résistance à changer. Ils avaient hyper envie de changer, d'essayer autre chose, Ils ont une motivation pour apprendre qui est énorme et qui est très émouvante. Et tu peux essayer la première note en poitrine ? C'est pas grave. Ça m'a plu de partager avec eux des moments forts aussi, comme d'apprendre à tisser une calebasse, là, une castagnette. Comme ils disent, j'ai trouvé un moment de partage très fort avec les femmes qui nous ont appris et beaucoup de générosité de leur part aussi. Allez Manuel, tiens. Allez, vas-y, Jaga. Bah, tu vas le faire. Jaga, tu vas le faire avec elle. Là, il y a 5 ans. Elle va t'aider. Sarah, ça va être la championne, tu vois. Voilà. Il faut déjà dire que c'est la toute première école de musique qui existe au Bénin. Avant cette école-ci, il n'y a jamais eu d'autre école de musique. Et donc, c'est comme une lumière qu'on apporte en pleine obscurité, en réalité.
Et donc pour la musique, pour la culture au Bénin, c'est une première et c'est révolutionnaire. Dans cette formation, j'apprends surtout de la pédagogie pour enseigner la guitare, spécifiquement la guitare aux enfants. Sinon, j'apprends également à enseigner la musique en général, le solfège, la lecture rythmique et surtout à pratiquer l'instrument à la base. Radicalement différente celle que j'apprends ici, parce que habituellement ici nous on a l'habitude d'apprendre aux enfants à jouer à l'oreille. On essaie de leur apprendre les chansons de mémoire et ils essaient de jouer. Alors j'ai fini par comprendre avec la formation qu'on vient de faire que c'est assez limitatif et que ça n'amène pas les enfants en fait à grandir, à évoluer normalement et à atteindre un niveau, je dirais, international sur leur instrument. Or, avec la méthode que j'apprends avec monsieur et madame Marty, ça permet de lire déjà la musique, d'avoir les bases pour écrire une musique, de jouer non seulement notre musique, mais de jouer également toutes les musiques du monde et donc de s'ouvrir à toutes les autres cultures. L'essentiel maintenant, ce qui reste à faire, c'est de travailler. Sinon, si je ne fais pas le travail qu'il faut, ben le niveau ne sera pas à la hauteur de la demande. On faisait de la musique tous les jours, donc à peu près 4-5 heures de musique par jour. Mais l'idée aussi, c'était aussi faire une découverte du pays, parce que le Bénin, c'est un pays très intéressant, qui n'est pas très touristique. C'est une ville assez extraordinaire parce que c'est le berceau du vaudou, hein, du culte vaudou. Donc Ouida avec la plage de mon retour, parce que c'est aussi le lieu où on embarquait les esclaves. Ils ont vu vraiment l'endroit où les négriers donc embarquaient les Africains pour les amener en Haïti, au Brésil. Il faut savoir aussi que les enfants béninois n'ont pas la chance de faire ces sorties touristiques. Donc là aussi, il y avait un échange découverte entre enfants béninois, entre enfants français. On a eu la chance aussi
de rencontrer le roi d'Abomey. Donc ça, c'est assez exceptionnel. On a demandé une audience, il a accepté de nous recevoir. Et donc, là encore, les enfants béninois, les enfants français, ont eu cette chance de rencontrer un vrai roi. Donc, un peu déroutant, parce que c'est pas tellement la vision qu'on a de la royauté en France. Mais en tout cas, il nous a reçus, on a été très bien reçus. Et c'était un moment très, très intéressant. Bye.